On va commencer l'introduction, ça fera venir les retardataires. Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette conférence, nous allons vous demander tout au long de bien garder les caméras éteintes, déjà d'une part car elle est enregistrée, et d'autre part pour des questions de débit afin de permettre à chacun de pouvoir avoir une conférence en bonne qualité sonore et numérique. Alors déjà pour commencer, une petite pensée pour le monde du foot, puisque qu'est-ce qu'aurait fait la France en 2016, en demi-finale au Vélodrome, si elle n'avait pas eu de public? Qu'est-ce qu'aurait été la Coupe du Monde 2018 si nous avions été confinés? Bref, le foot se vit aussi en public. L'équipe de France est un lien avec ce public-là, et je profite donc de cette courte introduction pour avoir une pensée pour nos supporters et supportrices en manque de tribune. Je pense que c'est le cas de François et de moi. Donc, moi, je suis Pierre, un membre de l'association Histoire d'en parler. Je serai votre médiateur ce soir et j'essaierai de faire en sorte que la conférence se passe au mieux. Merci de vous être rendu disponible. Merci aussi à François pour son futur exposé. À nouveau, gardez bien vos caméras éteintes afin de permettre le bon déroulé de la conférence. Donc, l'automne de l'histoire géo est organisé par l'association d'enseigne Histoire d'en parler, association qui a été créée en novembre 2017. Nous venons de fêter notre troisième anniversaire. On a pour objectif de rendre l'histoire plus populaire, plus accessible au plus grand nombre, d'une part au grand public, mais également dans le milieu scolaire avec des activités, notamment aussi justement dans les centres de formation de foot. Nous avons été il y a quelques temps au centre de formation de la Nancy-Lorraine pour sensibiliser aux réseaux sociaux. Bref, notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que l'histoire soit vécue par tous, pour tous et partout, surtout en temps de confinement. Et nous avons donc mis en place cet automne avec des conférences le lundi et le jeudi afin de pouvoir traiter différents thèmes qui va donc ce soir de l'histoire du sport aux espaces ruraux jeudi prochain. Ces conférences sont en direct, elles sont accessibles en replay sur notre chaîne YouTube. Toutes les informations seront sur notre site histoiredenparler.com. La durée des conférences étant variable et les horaires également. Pour introduire ce sujet, personnellement, supporter de foot, mon équipe de France, c'est vraiment celle des victoires, celle de 2018, mais également celle des défaites, la terrible finale de 2006 ou l'humiliation de 2008. C'est aussi celle des faits divers, comme ça a été le cas en 2010. François reviendra dessus. Bref, progressivement, ce collectif s'est ouvert au monde, puisque cet été, nous pourrons suivre Benjamin Mendy à la fois sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, grâce à ses réseaux sociaux. L'équipe de France est avant tout une institution, un maillot, une fédération. Et justement, l'institution équipe de France constitue un objet historique étudié par François Darrocha-Carnero, qui est professeur dans le secondaire, mais surtout docteur en histoire et professeur à l'université d'Artois en section STAPS. Il a écrit sa thèse sur les joueurs de l'équipe de France, construction d'une élite sportive, de 1904 à 2018, puis un ouvrage qu'on voit juste derrière lui, justement, Les Bleus et la Coupe du Monde, de Copa à Mbappé aux éditions du Détour. L'histoire du sport se base alors sur à la fois des sources documentaires, des sources orales, afin de bâtir une description de cette armée de l'ombre que va nous décrire François. Elle permet alors à la France de ramener notamment deux Coupes du Monde et également deux Coupes d'Europe. Amatrice, amateur, cette conférence est donc faite pour vous, mais elle est aussi accessible pour tout le monde. On parle d'une histoire sociale, d'une histoire de notre société à travers justement l'équipe de France. Bien entendu, à la fin de l'exposé de François, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y aura un petit entretien entre lui et moi de 5 minutes avant de permettre de poser des questions sur le chat ou par micro. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Je redonne le micro à François et à tout à l'heure. Bien, merci Pierre, merci de cette invitation qui permet de revenir sur un phénomène culturel
dont la présence dans le champ médiatique est importante, en tout cas beaucoup plus importante qu'elle ne l'est dans les recherches historiennes. On pourra revenir un petit peu dessus plus tard. Et c'est vrai que le football n'est pas le champ historien le plus fouillé, même si cela change, les choses changent depuis une bonne vingtaine d'années. On aura sans doute donc l'occasion d'y revenir. Et pendant cette conférence, on va s'attarder, comme l'a dit Pierre, sur l'équipe de France masculine, une des équipes de France de football, qui souvent se résume par quelques images. Je laisse à Pierre le soin de changer la diapositive. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, quelques images. Ce sont souvent les images types des joueurs importants, des périodes importantes. Raymond Kopa, 1958, une troisième place en Coupe du Monde. Michel Platini, les heures glorieuses des années 80. Zinedine Zidane, la Coupe du Monde 98 et le premier titre mondial. Et Kylian Mbappé avec ce deuxième titre mondial, la deuxième étoile de 2018. Pour autant, c'est peut-être l'intérêt de l'histoire que d'aller voir un petit peu plus loin que ces têtes de gondole, ces têtes d'affiche, et comprendre qu'il y a une histoire plus longue de l'équipe de France, diapo suivante, merci, une histoire donc plus longue, une histoire de vedette, de sport, et vous avez là une photo avec Raymond Dublis qui est en train de dépasser son adversaire belge dans les années 20. Raymond Dublis, c'est un Raymond Kopa 30 ans avant lui, et puis également des joueurs qui sont beaucoup moins connus, qui sont restés des éphémères. Henri Skiba, par exemple, on en parlait avec Pierre juste avant le début de la conférence. Henri Skiba, qui est un Allemand, ancien soldat de la Wehrmacht, prisonnier de guerre, naturalisé français et qui a quelques sélections au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, trois sélections. Raymond Queiroz-Auré, deux sélections seulement, et pourtant Raymond Queiroz-Auré, c'était un artiste du ballon dans les années 70, un des grands joueurs du Stade Lavallois, ou le cas extrême, Franck Giurietti, que l'on reconnaît avec son numéro 21. Franck Giurietti qui ne compte que 5 secondes en équipe de France, ça suffit pour être un international lors de France-Chypre en 2005. Donc voilà, aller un petit peu plus loin que juste cette image, cette première image que l'on peut avoir de l'équipe de France et comprendre qu'il y a des éphémères derrière et qu'il y a du temps long derrière ces images-là. Bon, je suis historien, je vais respecter un plan en 3 parties, avec 3 sous-parties chacune. On ne se change pas. Et donc d'abord le temps des amateurs, le temps où le football était une activité d'amateurs, et d'abord une naissance chaotique, une naissance de l'équipe de France chaotique. Le football s'installe véritablement en France autour des années 1890. Alors c'est d'abord dans le département de la Seine, Julien Sorez l'a très bien montré, puis en province et en particulier dans les régions du Nord, les régions septentrionales, et en particulier dans le Pas-de-Calais, étudié par Olivier Chauveau. Donc, dans les années 1890, ce sport venu d'Angleterre se met en place petit à petit en France. C'est souvent le fait des fils de l'élite économique, mais pas seulement, on y trouve également des employés. Et les premières rencontres internationales, ce sont des rencontres interclubs, entre clubs français et belges, ou anglais, ou suisses, prioritairement ces 3 pays-là. Et d'ailleurs, le premier match de l'équipe de France, c'est un match contre l'équipe de Belgique, qui elle aussi fait son premier match international en 1904. 1er mai 1904, déplacement donc à Bruxelles, au stade du Viviédois, un déplacement qui se conclura par un 3-3, un match nul, qui satisfait tout le monde. Et un déplacement qui est intéressant parce qu'il concerne des joueurs. Les joueurs parisiens partent le samedi soir pour rejoindre le lendemain matin Bruxelles, en train couchette, c'est long, depuis Paris, c'est plusieurs heures de train. Ils sont accompagnés des dirigeants de l'USFSA, de la Fédération Omnisport qui a la charge à ce moment-là de l'équipe de France, mais ils sont également accompagnés de journalistes, et en particulier d'Ernest Weber, qui est un journaliste de l'auto. On voit là, dès cette première équipe de France, une véritable porosité entre les joueurs, les sphères dirigeantes
et les médias, la presse sportive, en l'occurrence l'Auto, ce sera plus tard l'Équipe. Une porosité, ça c'est un premier point qui marque l'aventure de l'Équipe de France. Un deuxième point, c'est que j'ai parlé des joueurs parisiens qui partaient la veille au soir de la guerre du Nord, mais il y a un joueur qui n'est pas parisien, il est en bas à droite, tout à droite, c'est Adrien Filet. Adrien Filet, c'est un joueur qui évolue à l'Union sportive tourquenoise, donc un joueur du Nord. C'est le seul joueur provincial de cette première équipe de France. Et Adrien Filet, personne ne le connaît parmi ses partenaires et parmi les dirigeants qui l'ont sélectionné. Il a été sélectionné par ouï-dire, par la rumeur, plus exactement par le réseau. Ce sont les dirigeants nordistes qui conseillent aux dirigeants nationaux de l'USFSA de retenir cet attaquant-là parce qu'il manque un des cinq attaquants. Cinq attaquants. Là aussi, c'est un autre aspect des choses. On est dans un schéma tactique qui est bloqué pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies. On est dans un 2-3-5, deux défenseurs, trois milieux, cinq attaquants, ce qui explique aussi certains scores fleuves dont on reparlera ultérieurement. Donc, porosité des sphères, recrutement essentiellement parisien avec éventuellement l'apport nordiste, et puis c'est ce schéma tactique qui est bloqué. Petit à petit, on rencontre d'autres équipes. L'équipe de France se met à rencontrer l'équipe de Suisse, l'équipe d'Angleterre, l'équipe des Pays-Bas. Ça reste dans un voisinage quand même très limité. Et arrivent les Jeux Olympiques de 1908, où là, on va voir un petit peu plus loin. On est confronté à l'équipe du Danemark à deux reprises parce que l'équipe de Bohême a dû renoncer pour des raisons géopolitiques. Donc, on a deux équipes de France qui, tour à tour, évoluent contre l'équipe du Danemark. D'abord, celle du 19 octobre qui est censée être l'équipe réserve, l'équipe B. Celle du 19 octobre subit un revers quand même assez important, 9-0. Et puis, celle du 22 octobre, trois jours plus tard, la principale équipe de France, elle subit un revers beaucoup plus lourd. Il s'agit du pire revers, de la pire défaite de l'équipe de France, c'est 17-1. 17-1, ben voilà, le schéma tactique il est en cause également. On n'a que deux défenseurs face à cinq attaquants adverses. C'est un aspect qui permet d'expliquer cette lourde défaite. Il y a aussi d'autres aspects. Il y a un manque de qualité technique et physique, probablement. Il y a aussi des équipes qui sont rectifiées régulièrement parce que les forfaits sont là, les forfaits pour blessures, mais également pour activités professionnelles, également pour des raisons militaires, parce que beaucoup des joueurs sont en train de faire leur service et n'ont pas eu l'autorisation suffisamment tôt pour quitter leur régiment. Et puis, bien sûr, un manque d'entraînement. Plus on avance dans le temps, plus il faut un entraînement soutenu, ce que ne sont pas capables de faire, pour l'instant, ces joueurs de l'équipe de France de football. En 1908, c'est aussi une crise internationale dans le monde du football, dans la France du football, puisque l'USFSA, cette fédération omnisport omnipuissante, l'USFSA renonce, claque la porte de la FIFA, qu'elle a pourtant contribué à fonder en même temps que le match contre la Belgique. Elle claque la porte de cette FIFA et elle est remplacée comme représentante du football français par une agglomération de fédérations, le Comité français interfédéral, le CFI, qui repose en particulier sur la FSGPF, donc la Fédération des patronages. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'est le secrétaire général de cette fédération qui devient le secrétaire général du CFI, à savoir Charles Simon. Alors, cette équipe du CFI, en 1909-1910, elle ne réussit pas mieux que sa prédécesseur. On a 5 défaites sur 5 matchs, dont 2 scores assez lourds contre l'équipe d'Angleterre, 10-1 et 11-0. Et le tournant a lieu en 1913. En 1913, là, l'équipe du CFI, parce que les clubs commençaient à en avoir assez d'être exclus de compétition, l'équipe du CFI se voit ajoutée, se voit enrichie de l'apport des différentes équipes, et en particulier des équipes du Nord, de joueurs du Nord, et dès lors, le CFI devient le représentant général au-delà de la guerre des fédérations. On passe à la diapositive suivante, au temps suivant.
Arrive la guerre avec, avec son lot de morts, une quinzaine de, d'internationaux ou d'anciens internationaux disparaissent au front. Beaucoup sont blessés, en particulier Émile Sartorius. Émile Sartorius, c'est celui qui marque le but du 17-1, le seul but français. Il est amputé d'un pied, il meurt des suites de ses blessures en 1933 et puis il sera reconnu mort pour la France en 1946. Mais c'est donc un sport qui a vu des carrières inachevées parce que les 4 ans de guerre ont empêché de terminer une carrière qui était en cours, qui était déjà bien entamée, ou alors empêché des carrières de se lancer. Quand on a 18-20 ans en 1914, il n'est pas sûr qu'en 1919, on ait encore la possibilité de faire carrière dans le football. Et c'est en même temps un sport qui est devenu de plus en plus populaire. Alors, le gap n'a pas lieu pendant la Première Guerre mondiale. On estime que c'est plutôt vers 1907-1908 qu'il y a une popularisation du football, mais c'est une diffusion encore plus large qui est permise par la guerre, par la proximité entre des combattants qui connaissent le football et d'autres qui ne le connaissent pas. Donc, c'est ce qui a permis la guerre dans le développement du football. Ça a permis de le rendre plus populaire. Plus populaire avec des vedettes sportives. Et on retient la principale vedette, Pierre Chériguès. Pierre Chériguès, gardien de but du Red Star, gardien de but de l'équipe de France, 21 sélections entre 1911 et 1925. Gardien de but, vedette, spectaculaire. On vient voir des matchs parce qu'il y a Pierre Chériguès, plus encore que la pièce, c'est l'acteur qu'on vient voir, un homme connu, un sportif connu, et un sportif reconnu, parce qu'il a une tête, mais aussi parce qu'il a une tenue qui lui est spécifique. Alors là, la photo ne le montre pas, mais on le voit souvent avec une casquette et il devient très vite le prototype du gardien de but à la française. Donc, c'est une équipe de France qui participe de cette mise en spectacle du football et qui élargit en même temps son territoire de recrutement. Je vous ai dit qu'en début de période, avant-guerre, c'était un recrutement essentiellement parisien soutenu par l'apport nordiste, mais c'est désormais un apport également alsacien, immédiatement après la Première Guerre mondiale. Puis bordelais, on a René Petit qui est sélectionné, qui ne pourra plus l'être longtemps pour des raisons non pas diplomatiques, mais d'état civil, parce qu'il a une double nationalité espagnole. Et puis, à partir de 1924, ce sont les Pieds Noirs qui arrivent également en équipe de France. Donc là, un bouleversement dans le recrutement des joueurs, un bouleversement ou un élargissement également dans le recrutement des adversaires. En 1924, c'est la découverte de l'équipe d'Uruguay. L'équipe d'Uruguay qui finit championne olympique, qui apporte un football qu'on ne connaissait pas, un football plus technique que tactique et un football qui donne plaisir à voir. Puis, en 1924-25, ce sont des tournées d'équipes uruguayennes, de clubs, d'équipes argentines et d'équipes brésiliennes qui font des tournées européennes pour se faire connaître et qui, finalement, attirent également aussi ces spectateurs qui découvrent là une autre façon de jouer au football. Et puis arrive 1930, la première compétition mondiale, du moins hors tournoi olympique, la première Coupe du Monde, qui est organisée en Uruguay à l'occasion du centenaire de l'indépendance du pays. Donc, première compétition mondiale, et c'est pour les joueurs de l'équipe de France que l'on voit là sur le paquebot du Comte des Verdes qui les emmène en Uruguay. C'est l'occasion pour eux de découvrir non seulement une nouvelle façon de jouer, mais une nouvelle façon de penser le football, de vivre le football, et en particulier avec des foules qui sont excessivement énervées, qui sont très latines. On est capable de se battre pour un derby Argentine-Uruguay. Donc là, c'est aussi une nouvelle façon de penser le monde du football, le rapport au football, et de penser cette mise en spectacle, de façon plus chauvine, si on veut. On peut passer en effet au point suivant. Un débat pendant ces années court dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est le débat sur le professionnalisme, ou plus exactement sur l'amateurisme. La place de l'argent
dans le football, elle est connue. La plupart des joueurs de l'équipe de France à ce moment-là vivent de l'exercice de leur art, même si officiellement ce sont des amateurs. Donc on a là une hypocrisie, on parle de l'amateurisme marron, une hypocrisie qui est résumée par Pierre Chériguès après sa carrière, en 1927 et surtout en 1929, il fait des récits autobiographiques, et Pierre Chériguès avoue à ce moment-là qu'il a gagné sa vie dès 1912 en jouant au football, avant même la Première Guerre mondiale. Alors comment jouer au football et gagner sa vie alors qu'on est officiellement amateur ? Il suffit de présenter des notes de frais, de présenter des notes de médecin, de présenter également des notes de manque à gagner pour réussir à se faire rembourser par les autorités fédérales. Donc il y a cette hypocrisie-là. Cette hypocrisie, elle touche à la diffusion sociale du football. Il faut du temps pour s'entraîner au plus haut niveau, surtout lorsque les matchs sont de plus en plus de qualité. Et donc, on se trouve à un moment entre la domination des élites socio-économiques, pour qui le football est une des pratiques évidentes à partir de la fin du XIXe siècle, et l'arrivée d'une population issue de couches plus populaires, pour qui le football est une possibilité d'ascension sociale. Et puis par ailleurs, on a des organismes qui veulent organiser le spectacle, qui montent le spectacle. Ce sont des clubs. Les clubs veulent avoir les meilleurs joueurs pour vendre le meilleur spectacle. C'est assez logique. Et ce sont des entreprises vraiment de spectacle. C'est eux qui créent le professionnalisme. Ce sont les dirigeants et non pas l'hypocrisie de l'amateurisme marron. Ce sont les dirigeants, et en particulier dans un mouvement qui est lancé par Jean-Pierre Peugeot, donc le fondateur du FC Sochaux à la fin des années 20, qui, sans même attendre que le professionnalisme soit autorisé en France, fonde ce club, recrute, et on voit deux des joueurs internationaux français, Jean et Lucien Laurent, sur cette carte, recrute donc des joueurs réputés. Enfin, Lucien Laurent est le premier buteur de l'équipe de la Coupe du Monde, premier buteur de l'histoire en Coupe du Monde. Donc des joueurs réputés, et finalement ce mouvement oblige à reconnaître le professionnalisme, et en 1932, le championnat professionnel voit le jour, et là on a alors un véritable tournant dans l'art du football. Ça devient un métier, mais ça devient un métier inachevé. Et on va le voir immédiatement, c'est un métier inachevé, parce que ce n'est qu'une activité rémunérée. Le football n'est pas, à ce moment-là, pensé comme ayant la possibilité de nécessiter une formation ou de provoquer une reconversion. Les joueurs ont une situation fragile. Leur carrière dépend bien sûr des blessures, mais également de la bonne volonté des dirigeants et même de la concurrence, bien évidemment, et pour beaucoup à ce moment-là, c'est encore un job étudiant que de gagner de l'argent pour jouer en jouant au foot. En équipe de France, on peut parler de Jean Gautroux, qui sera ensuite un sélectionneur très éphémère, qui finit ses études de dentiste à Paris, tout en jouant dans un des clubs de Roubaix, ou on peut penser à Adolphe Touffet, qui lui finit ses études de droit, ce sera un des grands juristes de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un spectacle qui attire, avec un métier qui n'est pas encore véritablement en place, mais un spectacle qui attire, pour lequel on recrute, pour lequel les dirigeants recrutent de plus en plus facilement à l'extérieur. On va chercher les meilleurs joueurs possibles, ceux qui rendent le spectacle le plus intéressant possible. Alors, on recrute d'abord des Britanniques. On se rend compte que les Britanniques sont quand même assez exigeants financièrement. Puis, des Oriundi. Alors, c'est un système... le système des Oriundi que les Italiens utilisaient très facilement, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher des fils ou petits-fils de Français émigrés en Amérique latine, on les fait venir en France, et comme ils ont la double nationalité, on peut les faire jouer également en équipe de France. Et c'est ainsi que Sochaux recrute
plusieurs Urundi, en particulier l'international uruguayen Pedro Duarte. Donc après avoir eu des sélections en Uruguay, il compte des sélections en équipe de France. Son compatriote Hector Cazenave, qui lui n'avait pas été sélectionné par l'équipe d'Uruguay auparavant, ou l'international argentin Miguel Lory, international argentin, puis international français. Donc là, c'est une possibilité. Et puis également l'Europe de l'Est, c'est un autre bassin de recrutement privilégié. La Yougoslavie, à la fin des années 20, dès la fin des années 20, c'est souvent des étudiants qui sont alors recrutés. Puis la Hongrie et l'Autriche. Il faut cependant penser pour les clubs à limiter le nombre d'étrangers. Régulièrement, d'une saison à l'autre, on a le droit à un, deux ou trois joueurs étrangers. Et pour les limiter, rien ne vaut une naturalisation. La naturalisation, elle est permise, elle est incitée par les dirigeants de clubs qui influencent également les corps préfectoraux pour accélérer ces procédures. Et l'équipe de France, alors, compte en son sein plusieurs joueurs nés étrangers et naturalisés français. Ça devient une équipe de France de sang mêlé. Il suffit de prendre l'exemple, et c'est ce que montre cette photo, de la Coupe du Monde 1938. Là, un match contre l'Italie fasciste, contre l'équipe d'Italie, mais on est en pleine Italie fasciste, match qui sera perdu par l'équipe de France. On voit sur la droite de l'image Gusti Yardan. Gusti Yardan, c'est un Autrichien naturalisé début 1938. Il vit depuis plusieurs années en France. Il a été recruté par le Racing Club de Paris. Et c'est la cible de la presse d'extrême droite à ce moment-là. On le considère comme le prototype des mercenaires. Et puis, dans cette équipe de France, on voit également tout premier plan à gauche Émile Vénante. Émile Vénante, il est né à Metz, non pas à Nancy, mais à Metz, alors que Metz était dans l'Empire allemand, dans le Reich. Parmi leurs partenaires, vous avez Oskar Esserer, qui est né à Schirein, qui est strasbourgeois, né également dans le Reich. Vous avez Fred Aston, qui est fils d'un immigré anglais. Vous avez Raoul Diagne. Raoul Diagne, c'est le premier joueur noir à avoir été sélectionné en équipe de France en 1931. C'est aussi le dernier joueur fils de ministre. Vous avez Hector Cazenave, un des Urundi. Vous avez Jean Bastien, un pied noir. Et puis dans le groupe, qui ne jouent pas pendant les matchs de Coupe du Monde 38, mais qui font partie du groupe. Vous avez également un Algérien, Abdelkader Ben Bouali, et puis un fils d'immigré polonais né en Allemagne, Ignace Kowalczyk. Donc, vous voyez cette équipe de France qui est véritablement de s'en mêler. C'est aussi un petit peu, en 1938, le moment n'est pas anodin, c'est aussi une façon pour la démocratie française de montrer l'idée qu'elle se fait, qu'on se fait en France, dans une démocratie de la nation, là où d'autres ont une idée complètement différente, que ce soit en Italie ou en Allemagne. Je passe sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire, et en particulier à insister sur le rôle de Gabriel Hanno dans les réformes de cette Seconde Guerre mondiale. Gabriel Hanno, c'est l'homme à gauche, c'est l'homme fort du football français dans les années 40. Et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, il est nommé conseiller technique auprès de Gaston Barrault. Gaston Barrault, c'est le vieux sélectionneur, enfin l'ancien sélectionneur. Il reste presque 40 ans en place, de l'immédiate après Première Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 58. Il fait partie de tous les comités de sélection. Et là, on lui attribue donc un conseiller technique. Ce conseiller technique, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a mené les réformes du football français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a aussi démissionné lorsqu'il était opposé à ces réformes, c'est pendant les heures du colonel Pascot. C'est aussi un homme qui a fondé les stages d'entraîneurs, donc qui est à la tête véritablement du réseau d'entraîneurs du football français, d'entraîneurs français. C'est un conseiller technique, un homme de bureau, un scientifique du football, certainement plus tacticien que technicien. Et d'ailleurs, il n'aime pas beaucoup le jeu rémois, parce qu'il reproche à ce jeu qu'on appellera le football champagne d'être trop technique, justement, d'être un klein-klein-spiel, un petit jeu.
Et d'ailleurs, c'est en raison de son aversion envers le jour et moi qu'il ne retient pas favorablement en tout cas, de joueurs rémois en équipe de France. Alors ça se passe bien jusqu'en 1948, ça se passe plutôt bien jusqu'en 1948, mais la saison 48-49 est catastrophique et arrive un match fatidique contre l'Espagne, une défaite cinglante 5-1. Ben, le lendemain, on peut lire dans l'équipe, qui a remplacé Lotto, on peut lire un article appelant à la démission du conseiller technique. L'article est signé par l'un des grands journalistes de football de l'époque, Gabriel Hanau, qui demande la démission du conseiller technique, Gabriel Hanau. Bon, c'est vous dire un petit peu l'omniprésence de ce personnage à ce moment-là. Va lui succéder un personnage qui est totalement inverse, qui est son image absolument inverse. C'est Paul Nicolas. Paul Nicolas que l'on voit embrassé, entouré par Raymond Coppa et Jules Fontaine sur l'image de droite. Paul Nicolas, c'est un ancien attaquant international. Gaston Hanau avait également été international. Paul Nicolas, ancien attaquant, c'est un charmeur, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est une grande gueule du monde du football et des affaires, des coursiers au Hall. Et c'est sous sa direction que quelques années plus tard, l'équipe de France va enfin convaincre, va enfin réaliser une performance de premier plan, puisque en 1958, elle atteint le stade des demi-finales en Coupe du Monde face au Brésil de Pelé. C'est la seule équipe, le Brésil est la seule équipe qui arrive à battre l'équipe de France à ce moment-là. Et face à l'équipe de Pelé, elle perd sa demi-finale, mais il n'empêche qu'elle revient de Suède avec une troisième place. Et là, le jeu rémois, on voit qu'il s'est diffusé au sein de l'équipe de France. Il s'est diffusé par les joueurs, soit parce que les joueurs de l'équipe de France jouent au Stade de Reims, soit parce qu'ils y ont joué auparavant. Et Raymond Coppa n'est plus au Stade de Reims à ce moment-là, il est dans sa période madrilène. Soit par les entraîneurs, par l'entraîneur, pardon, l'entraîneur de l'équipe de France n'étant autre que l'entraîneur du stade rémois, à savoir Albert Batteux. Attention, le rôle de sélectionneur et le rôle d'entraîneur sont encore séparés à ce moment-là. Mais très vite, la performance de Suède, la performance de 1958, apparaît comme un arbre qui cache la forêt. C'est véritablement un épiphénomène 58. On arrive aux années noires, aux années de crise, les années 60, lorsqu'on interroge aujourd'hui les anciens des années 60, les anciens internationaux, nombreux sont ceux qui disent « bon, je suis tombé dans la mauvaise période, on n'était pas très bon, on était moyen, on était des joueurs moyens, etc. » Ils sont sévères avec eux-mêmes certainement, mais c'est vrai que l'équipe de France traverse alors une vraie crise, et plus généralement le football français. Crises qui vont se cristalliser autour de questions tactiques liées à la défense. Questions tactiques, le béton ou la ligne, est-ce qu'on fait une défense en chargeant l'homme, en serrant individuellement l'adversaire, ou est-ce qu'au contraire, on fait une défense par zone, la ligne, et donc on joue le hors-jeu. Bon, c'est un petit peu précis. On va laisser ça de côté, mais en fait, cette différence tactique, elle est au cœur de véritables polémiques. Les journaux à ce moment-là et les amateurs de football s'étripent autour de ces choix tactiques. Arrive 1966. En 1966, Henri Guérin a réussi, comme sélectionneur, à qualifier l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais Henri Guérin n'arrive pas à choisir entre ces deux tactiques, béton ou ligne. Et on lui accorde deux adjoints, Lucien Jasseron et Robert Domergue, qui chacun a une vision différente de la tactique à mettre en place. Donc ça ne marche pas. Les deux premiers matchs sont des échecs, un match nul, une défaite, mais l'équipe de France n'arrive pas à convaincre. Arrive Robert Budzinski, qui ne fait que représenter ses partenaires, hein. Il ne fait pas un coup d'État tout seul. Robert Budzinski va voir Henri Guérin juste avant le troisième match qui est prévu contre l'Angleterre, donc l'équipe hôte, l'équipe qui va remporter la Coupe du Monde.
Donc, match contre l'Angleterre. Et Robert Budzinski annonce à Henri Guérin que les joueurs appliqueront leur propre schéma de jeu et qu'ils n'obéiront pas au schéma de jeu qui est dicté par le sélectionneur et par ses adjoints. C'est une véritable prise du pouvoir dans une ambiance qui est un petit peu particulière. 1966, c'est aussi une ambiance où on voit apparaître des jeux de prostitution, des relations ancillaires de la part des remplaçants qui sont sûrs de ne pas jouer. Bon, on passe également là-dessus, mais il y a une ambiance de scandale autour de 1966 et la prise du pouvoir, elle dit bien aussi ce que sont ces années 60 où elles annoncent un petit peu les années 68. Elles font partie d'un vaste mouvement 68, d'une histoire collective, pour reprendre l'expression de Michel Zancarini-Fournel et de Philippe Artière. Donc, c'est une période de crise, mais c'est aussi une période qui permet, parce qu'il y a ces crises, une réflexion en profondeur sur le football français et qui va initier donc des réformes structurelles d'importance. C'est un pécule de fin de carrière qui est enfin attribué aux joueurs, donc de quoi se reconvertir. C'est l'adoption à la fin des années 60 d'un contrat à temps. Donc, désormais, ce ne sont plus des contrats à vie qui lient les clubs et leurs joueurs, mais des contrats à durée déterminée. Et puis, c'est également en 1973, et surtout en 1973, la charte du football professionnel, qui est une véritable convention collective des métiers du football. Et dès lors, seulement dès lors, le métier de footballeur apparaît comme achevé, parce qu'on conçoit dès lors des formations. Il y a tout un ensemble de chapitres dans cette charte qui prévoit la formation par les clubs et une formation nationale, c'est la création de l'INF, mais également qui prévoit une reconversion, qui prévoit des situations de blessure, etc. Le football, dès lors, devient une profession. Si on prend en compte également le fait que la SSE réussit une belle épopée européenne au milieu des années 70 et une demi-finale en 75, une finale en 76, si on prend en compte également l'apport d'une médiatisation croissante, tous ces téléviseurs qui arrivent dans les foyers français, eh bien, on comprend que les conditions sont à ce moment-là réunies pour un renouveau sportif dont va bénéficier l'équipe de France. Et dès lors, l'équipe de France, elle est la représentante du roi des spectacles, et en particulier grâce à deux hommes, grâce à un binôme qui se met en place en 76, le binôme Michel Hidalgo-Michel Platini. Michel Hidalgo, il a une sélection en 1962, il a souvent été remplaçant, sans entrer en jeu. Il n'a que 42 ans, c'est un sélectionneur jeune lorsqu'il devient sélectionneur, mais il a un passé important, international, ancien président de l'UNFP, du syndicat des joueurs, ancien entraîneur de la DTN, c'est un entraîneur national, adjoint du sélectionneur Georges Boulogne, puis de son successeur Stéphane Kovacs, donc il a de l'expérience déjà. Et il arrive... Dès son premier match, il choisit de renouveler le vivier des joueurs de l'équipe de France en titularisant 5 nouveaux, 5 néophytes. Donc, vous avez Maxime Bossis, Robert Pintna, Michel Platini, Gilles Rampillon et Patrice Rio. Et puis un sixième entre en jeu, ce sera Didier Six. Donc, une équipe foncièrement renouvelée. Parmi les joueurs que j'ai cités, il y a le jeune espoir du football français à ce moment-là, Michel Platini, qui a 20 ans. Et ensemble, ils vont retrouver la route du monde, la Coupe du Monde en 1978 en Argentine, éliminée dès le premier tour, mais ce n'est pas un parcours scandaleux. Et puis surtout, un parcours glorieux dans les années 82-84, avec une quatrième place en 82 à l'issue d'une Coupe du Monde qui a vu naître le carré magique, et un titre international, le premier titre international du football français, le championnat d'Europe, que l'équipe de France gagne en 1984 chez elle. Succède à Michel Hidalgo en 1984, un homme que l'on voit également sur cette image, Henri Michel, qui est le capitaine sur cette image, l'avant-dernier en bas à droite. Donc,
Henri Michel, qui est auréolé lorsqu'il devient sélectionneur d'équipe de France d'un titre qu'il vient juste de gagner avec l'équipe de France olympique, titre olympique donc, et qui amène l'équipe de France jusqu'à la troisième marche du podium en 1986. Donc c'est un bon bilan pour ses premières années, mais 1987, c'est la fin de la carrière de Michel Platini. Et dès lors, l'équipe de France commence à péricliter. Un coup d'État, véritablement, amène Michel Platini à la tête de la sélection en 1988. Les résultats, le bilan est mitigé. Ils arrivent quand même à se qualifier pour l'Euro 92. Mais en fait, pendant l'Euro 92, Michel Platini semble abandonner véritablement ses joueurs et il se sent presque comme orphelin à ce moment-là, en pleine compétition, et rate leur Euro. C'est aussi une période qui est marquée par les oppositions, et ça fera plaisir à Jean-Baptiste Guégan, qui est parmi nous, qui est marquée par les oppositions entre les joueurs de l'OM, de Marseille, et les joueurs du PSG. Une période marquée par des personnalités de dirigeants de clubs assez fortes. Claude Béz, par exemple, a fait partie du putsch qui a mené Michel Platini au pouvoir, enfin à la tête de la sélection en 88. Et puis Bernard Tapie qui dit que les joueurs n'en ont rien à faire de l'équipe de France, qui compte, c'est leur club. Donc, des années beaucoup moins glorieuses à la fin des années 80, début des années 90. Et on arrive au chemin de gloire, au chemin de la gloire. Période de crise qui est renforcée en 1993 par la défaite contre la Bulgarie et la non-qualification pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. À ce moment-là, Gérard Rouillet, qui venait de remplacer un an et demi plus tôt Michel Platini, Gérard Rouillet est remercié. Il est remplacé par un second couteau, par son adjoint Aimé Jacquet. Lorsqu'on relit les coupures de l'époque, on comprend que ce n'est pas du tout lui qui était envisagé initialement. On pense plutôt à Luis Fernandez, éventuellement à Jean Tigana ou Alain Giresse, et éventuellement à Giroud, Arsène Wenger ou Gilbert Gress. Et donc, c'est cet adjoint qui arrive, Aimé Jacquet, qui arrive assez humblement. Au départ, il n'est qu'à titre temporaire, mais l'horizon est clair et net. L'horizon, c'est 1998, c'est une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout dans une compétition que la France va accueillir pour la première fois depuis 60 ans. Et donc, avec cet horizon, Émile Jacquet va véritablement construire son équipe à l'objectif 98. Il l'a construit d'abord autour d'Éric Cantona. Manque de chance, Éric Cantona joue très bien son rôle de joueur cadre et de capitaine, mais il a son caractère et il fait état de ses qualités de joueur de kung-fu contre un supporter dans un match de championnat anglais, contre un supporter adverse, qui lui vaut plusieurs mois de suspension des terrains. Et donc, Aimé Jacquet, il doit faire sans Cantona. Il décide dès lors de construire son équipe autour non plus d'un homme, mais de deux hommes, d'un binôme, Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff, deux meneurs de jeu. L'équipe de France, à ce moment-là, elle est la cible de polémiques, d'attaques politiques. 1996, en plein euro, Jean-Marie Le Pen fait plusieurs sorties, attaquant l'équipe de France, reprochant qu'on puisse acheter des joueurs à l'étranger pour leur faire porter le maillot français, qu'on fasse venir des mercenaires, finalement, oubliant de dire qu'il y a très peu de joueurs nés à l'étranger à ce moment-là, et il y a Marcel Desailly, mais c'est un des rares. Et reprochant également à ses joueurs de ne pas chanter la Marseillaise, donc les suspectant d'être de mauvais Français, oubliant là de signaler qu'on ne chante pas la Marseillaise à ce moment-là, que Michel Platini ou Raymond Coppa n'ont jamais chanté pas la Marseillaise avant les matchs. Et c'est également l'équipe de France la cible d'attaques sportives de la part de l'équipe qui n'aime pas le jeu d'Aimé Jacquet, qui n'aime pas non plus sa communication. Et donc, rien n'est fait pour que la société française suive cette équipe de France avec enthousiasme. Pourtant, c'est une équipe de France qui bénéficie d'un apport de professionnels désormais ayant l'expérience de l'étranger, des championnats étrangers, après l'arrêt Bosman, mais même un petit peu avant pour certains. Alors, ce sont des joueurs qui évoluent en Italie, c'est Deschamps, Desailly, Thuram,
Candela, Zidane, Djorkaeff, Bogossian, qui évoluent en Allemagne, Lizarazu, qui évoluent en Angleterre, Lama, Franck Leboeuf, Emmanuel Petit, Patrick Vieira, ou en Espagne, Carambeu. Donc on a cet apport de championnat extérieur, d'expérience, d'autres formes de football, ou d'autres formes et d'autres rapports, d'autres gestions du match, qui va jouer un rôle très important pendant la Coupe du Monde. Donc 1998, au départ, ce n'est pas un enthousiasme incroyable de la part de la société française. On est dans un enthousiasme poli, raisonnable. Ça va être la fête, mais on l'a fait calmement. On a peur des grèves, des cheminots. On a peur d'attentats de la part du GIA algérien. Et puis, on a peur des hooligans. C'est vrai qu'il y aura l'affaire du gendarme Nivelle qui sera blessé très grièvement à Lens. Et finalement, le tournant, c'est France-Paraguay. Huitième de finale, un match tendu à Bollard. Il faut un but de Laurent Blanc, un défenseur, ancien attaquant. Un but, le but en or, marqué pendant les prolongations, qui arrête définitivement le match dès lors qu'il est marqué. Et à partir de là, on voit apparaître peu à peu, en quart de finale, en demi-finale, en finale, un véritable soutien populaire de plus en plus important. Et l'ambiance est telle le soir de la victoire face au Brésil que la foule entière est comparée à celle de la Libération. On parle à ce moment-là de la France Black Bomber comme étant la réussite de l'intégration. Il faut se rappeler qu'un homme comme Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, qui n'était pas réputé pour être un tendre, loin de là, au contraire, juste au lendemain de la victoire, appelle à la régularisation de tous les sans-papiers en France, parce que la France a montré qu'elle était capable d'intégrer. Alors Stéphane Beau parle de mythologie de la France Black Blamber, on n'est pas loin en effet de cela, et très vite, malgré le titre de champion d'Europe en 2000, très vite vont apparaître des ombres sportives. C'est inévitable, il y a des défaites, il y a des parcours moins performants en 2002 en Coupe du Monde, en Championnat d'Europe en 2004, et puis également des ombres sociopolitiques. Le match France-Algérie qui arrive quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre et qui est interrompu après que la Marseillaise a été sifflée, après que le nom des joueurs, à l'exception de celui de Zidane, a été sifflé. Le match est interrompu parce que les supporters de l'équipe d'Algérie envahissent le terrain au cours de la rencontre. Et puis, une société plus crispée. Ça se traduit par la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles en 2002. Ça se traduit par les propos du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui veut nettoyer les cités au Karcher. Donc, société crispée, tendue, que la finale de 2006 évoquée par Pierre ne suffit pas à détendre finalement. Et arrive une image de plus en plus écornée de l'équipe de France. On peut passer à la diapositive suivante. Et une image de plus en plus écornée avec un sélectionneur qui communique à sa façon, Raymond Domenech, je serais dans l'euphémisme. Bon, il a un sens particulier de la communication. Et puis les journalistes reçoivent plus ou moins bien ce sens-là. Et puis des joueurs dont l'attitude pose problème à l'extérieur du terrain, en dehors du terrain parfois, ou parfois sur le terrain, puisqu'on a une main qui est décisive, passant le ballon à William Gallas, une main de Thierry Henry, qui fait scandale parce que ça permet de qualifier l'équipe de France face à l'Irlande dans un match de barrage. Et on a touché là à l'interdit. Toucher le ballon de la main, c'est interdit. L'interdit suprême, c'est le tabou. Arrive 2010, l'épisode est bien connu, un match, deuxième match de Coupe du Monde contre le Mexique. À la mi-temps, Raymond Domenech et Nicolas Anelka échangent quelques mots. Raymond Domenech décide de changer d'attaquant, de faire sortir Nicolas Anelka. Et quelques heures plus tard, dans l'équipe ou à la une de l'équipe, apparaissent les mots attribués à Nicolas Anelka, qui ne sont pas de la première élégance, et qui valent aux joueurs d'être renvoyés immédiatement, tant ces mots sont violents. Ce sont des mots qui, apparemment, qu'il n'aurait jamais prononcés, qu'il a nié sur le moment,
et que Raymond Domenech a reconnu ne pas avoir entendu, en tout cas. Enfin, ces mots n'ont pas été prononcés. C'est un scoop qui est monté de toutes pièces par l'équipe. Donc, un joueur exclu du groupe par les dirigeants, un peu sous la pression également du politique à ce moment-là, et les joueurs marquent leur solidarité avec leurs partenaires et camarades lors d'un entraînement à Naïsna, lors d'un entraînement public, et refusent de participer à la communication de la fédération en boycottant cet entraînement devant les caméras du monde entier et en ne descendant pas du bus, ou lorsqu'ils en descendent, c'est juste pour se retrouver, se réunir autour de leur capitaine Patrice Evra. Bien. Donc cet épisode est connu, elle écorne durablement l'image de l'équipe de France. L'arrivée de Laurent Blanc à la tête de la sélection n'arrange pas grand-chose, il ne parvient pas à restaurer véritablement cette image, et lui-même est attaqué sur la question des quotas très, très vite, qui va là encore abîmer cette image de l'équipe de France. Et arrive 2012. En 2012, est nommé à la tête de cette sélection Didier Deschamps. Didier Deschamps, j'en ai très peu parlé pour 98, mais c'est l'homme clé. C'est un homme fondamental parce que c'est vraiment le sélectionneur sur le terrain. C'est lui qui remplace Aimé Jacquet là où il ne peut pas être, là où Aimé Jacquet ne peut pas être. Didier Deschamps, il a la confiance, il a les clés véritablement de l'équipe. Il porte la même philosophie qu'Aimé Jacquet en son temps, à savoir construire un groupe avec un même objectif, l'ambition d'une compétition à domicile. Il est prêt pour cela, comme Aimé Jacquet, a écarté un joueur cadre, c'est Karim Benzema en l'occurrence, et donc il emmène l'équipe de France à l'horizon 2016, en finale. En finale, manque de chance pour l'équipe de France, là où la compétition semblait à portée de main, eh bien, en finale, c'est Eder, joueur du LOSC, qui marque un but décisif dans les prolongations et qui permet à l'équipe du Portugal de remporter ce titre qui était promis à l'équipe de France. Ce n'est que partie remise. 2 ans plus tard, Coupe du Monde en Russie. Et là, comme tout le monde sait, c'est la deuxième étoile. Une deuxième étoile qui fait du bien à une société meurtrie, meurtrie par les attentats. Je pense en particulier au Bataclan. Le Bataclan qui et puis les terrasses qui ont vu un des joueurs touché dans sa famille, c'est Nassana Diarra qui perd sa cousine dans une terrasse, c'est la sœur d'Antoine Griezmann qui est au Bataclan lors de l'assaut. Bref, une deuxième étoile qui fait du bien, mais une deuxième étoile dont la joie est éphémère finalement, parce que quelques jours après le titre, c'est l'affaire Benalla qui éclate, et on n'aura pas la même portée en 2018 qu'on a eue en 98 sur cette société en difficulté. Pour conclure cette prise de parole qui est déjà certainement trop longue, l'image de l'équipe de France aujourd'hui, elle semble quand même un petit peu rétablie. Ça reste fragile, c'est fragile, mais ça va peut-être un peu mieux. L'intérêt du regard historien, c'est surtout de sortir de l'immédiateté. Quand on prend 2010, 2006, le coup de boule de Zidane, ou 2014, l'élimination et les larmes donc, de Griezmann, on peut penser que l'équipe de France ne peut rien, que l'équipe de France n'a pas de très bons résultats. Sauf que, en un quart de siècle, sur les 120 ans passés, en un quart de siècle, l'équipe de France a vécu ses plus belles années. L'équipe de France, en un quart de siècle, c'est la participation systématique à toutes les Coupes du Monde, 6 Coupes du Monde consécutives, dont 3 finales, dont 2 titres de champion du monde. En un quart de siècle, l'équipe de France, c'est la participation à tous les championnats d'Europe depuis 1996, 6 championnats d'Europe, bientôt le 7e en 2021, 6 championnats d'Europe, dont 2 finales, dont 1 titre. Donc on a 3 titres pendant ce quart de siècle. Ça fait de l'équipe de France non seulement, ça donne à l'équipe de France non seulement sa plus belle période, mais ça fait aussi d'elle l'une des plus belles équipes, l'une des meilleures équipes du monde. Et tout cela, c'est le résultat de parcours parfois moins glorieux, de phases parfois moins réussies, et surtout d'essais de plusieurs centaines de joueurs
qui n'ont pas fait carrière en équipe de France. Voilà. Alors, merci beaucoup, François, pour cet exposé. Avant de commencer, on va réduire un peu l'entretien. On va directement donner la parole au public. Je vous ai mis dans le chat un petit lien pour continuer à nous améliorer. Voilà, remplir un petit questionnaire, si vous pouvez le faire dès la fin de la conférence. Alors, est-ce que certains ont des questions ? Si c'est le cas, qu'ils le mettent dans le chat. Et je leur donnerai accès au micro afin qu'ils puissent le poser à François. Non, bah je vais t'en poser une première. Est-ce qu'on peut dire, tu l'as dit, il y a un apport politique, il y a de l'histoire aussi sociale, il y a de l'histoire de l'industrie, du travail. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire du sport est une histoire intersectionnelle ? C'est un terme qui est plutôt à la mode, si on peut dire. Et est-ce qu'on peut l'étudier ainsi, justement, comme une histoire où on va croiser différentes formes de sujets, de termes ? Alors, je n'utiliserai pas le mot intersectionnel, je pense plutôt que j'utiliserai le mot global. C'est un sujet global, c'est une approche globale, en effet, qui touche à l'économie, qui touche, comme tu l'as dit, aux politiques, aux culturels, aux représentations également, aux politiques, à la culture du politique, parce que c'est aussi quelle image on se fait de la nation, à un moment ou à un autre. Ça touche au social, bien sûr. On a là différents champs possibles, donc non pas intersectionnels, mais oui, une approche globale utilisant les différents outils que nous offre l'histoire. Alors, j'ai trois questions. Est-ce que tu préfères que je te donne les trois d'un coup ou... Je les vois là sur le chat. Donc, Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Qu'en est-il de l'arrêt Bosman et de ses conséquences sur l'ouverture des Bleus ? Alors, l'arrêt Bosman... C'est un peu comme la Première Guerre mondiale, finalement. Ça accélère un processus qui est déjà en marche initialement. Didier Deschamps, Laurent Blanc, Marcel Desailly ont déjà joué à l'étranger avant que l'arrêt Bosman ne soit décidé par la Cour européenne de justice. Mais il est certain que ça permet à un plus grand nombre d'accéder au championnat européen et en particulier au championnat italien, qui a été un grand manque finalement en 82. On n'a pas su garder des scores, on a joué comme on savait jouer à ce moment-là. Et la découverte d'autres championnats de qualité, italien, puis anglais, qui sera une terre de recrutement dans les années 2000, ces championnats-là aident évidemment dans l'expérience du très haut niveau, aident les Bleus dans l'expérience du très haut niveau. Donc l'arrêt Bosman, c'est un accélérateur d'expérimentation, d'expérience, d'acquisition d'expérience. Luis Fernandez semble vouloir préparer une candidature à la tête de la fédération. Question de Bruno, issu des anciens internationaux. Qu'est-ce que j'en pense ? Luis Fernandez essaiera bien d'avoir un poste. Honnêtement, il y a très très peu d'anciens internationaux qui ont accédé aux plus hautes fonctions dans le football français, que ce soit à la Fédération ou à la Ligue. Paul Nicolas est une exception. Il y a eu Lilian Thuram qui a fait partie d'un conseil fédéral. Il y a quelques joueurs comme ça qu'on voit apparaître au sein des conseils fédéraux, mais ils sont excessivement rares. S'il y a un ancien international qui pourrait prétendre à cette candidature, je ne pense pas que ce soit Luis Fernandez. Et pour l'instant, cet ancien international a d'autres missions puisqu'il a l'euro à préparer. Les footballeurs ont-ils une conscience politique de la part d'Emmanuel ? Je vais même rajouter une petite question par rapport à celle-là. Est-ce que la sélection a-t-elle toujours été un objet politique pour le gouvernement, pour l'opposition ? Non. Ça a été un objet diplomatique. Pour le ministère de la Guerre, longtemps, l'équipe de France a été, ou plutôt les fédérations, qui s'occupait de l'équipe de France, et en particulier l'USFSA, ça a été une des raisons de la rupture de la guerre des fédérations, a été financée par le ministère de la Guerre. Puis, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a repris un petit peu le relais de temps en temps. Mais ce n'est un objet politique véritablement, à mon sens, qu'à partir du milieu des années 90. C'est
François Mitterrand a essayé d'avoir, Laurent Fabius a essayé d'avoir Michel Hidalgo comme ministre. En 1984, lorsque Michel Hidalgo quitte ses fonctions, il est approché par le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, avec le soutien de François Mitterrand, pour donner un goût de victoire un petit peu à la politique mitterrandienne qui avait quelques difficultés à ce moment-là. Mais ce n'est pas obligatoirement c'est une récupération de l'image, mais ça ne fait pas de l'équipe de France un objet politique. Là où ça devient vraiment un objet politique, c'est avec les propos de Jean-Marie Le Pen. Indéniablement, on en fait une source du politique, un objet de polémique. Et ça va s'accélérer avec, bien sûr, Jacques Chirac, qui ne connaît rien au football, mais qui adore les footballeurs, qui adore les humains, et qui arrive à redorer son blason de façon incroyable, alors que c'est quand même le président qui a été battu lamentablement lors des élections législatives un an auparavant. Il devient le président le plus populaire qui soit avec 98. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis après arrive bien sûr toute la politique sarkozyenne des années 2007-2012 avec la récupération de Naïsna, le regard porté sur Naïsna. Est-ce qu'il y a eu des récupérations ultérieures? Je pense à une belle chemise blanche dans un stade, moscovite. Ça a raté. La récupération, manifestement, a raté parce que la chemise était peut-être immaculée, mais pas les soutiens les plus proches du président en action. Donc, il n'a pas pu récupérer ce qui était peut-être récupérable, mais il avait... Alors, quand même, il faut bien préciser, il avait dit qu'il ne ferait aucune récupération politique. Bon. Voilà. Donc, on peut identifier, comme objet politique, bon, on laisse ça de côté, mais c'est le dernier quart de siècle, véritablement. Est-ce que les footballeurs ont une conscience politique? Qu'est-ce qu'une conscience politique, d'une part, Emmanuel? D'autre part, est-ce que les jeunes de 20, 25 ans ont tous une conscience politique? Est-ce qu'on demande à tous les jeunes de 20, 25 ans? Ils ont certainement une conscience citoyenne, mais en faisant leur métier, en connaissant souvent mal la société dans laquelle ils vivent, parce qu'ils ont été mis à l'écart. Enfin, il faut imaginer le métier de footballeur, c'est dès l'âge de 12 à 14 ans, ils sont en prépa, ils sont enfermés dans des cercles ultra protégés, mais en même temps ultra fragilisants. Donc, ils sont mis à l'écart, leur conscience citoyenne, elle est un petit peu dictée par les échos qu'ils peuvent en avoir par leurs entourages, et puis par des images qui sont retransmises, entre autres par les réseaux sociaux, par d'autres médias. Est-ce qu'on peut en identifier est-ce qu'il y a des manifestations politiques, d'engagement politique? Les années 60, il y a quelques joueurs qui manifestent leur penchant pour les idées nouvelles. Ça se passe sur le terrain et puis ça se passe un petit peu en dehors. Il y a également dans les années 40, il y a quelques résistants, et en particulier Étienne Matelaire, qui est un des capitaines de l'équipe de France, qui était le capitaine à la fin des années 30, et qui devient résistant. On l'annonce même mort, il est emprisonné, etc. Bon, c'est un engagement politique parmi d'autres. Noël Le Graët avait organisé un Algérie-France en 2021. Match enjeu sportif ou diplomatique, les deux, lorsqu'on voit jouer l'équipe d'Algérie, on comprend que ce sera un adversaire remarquable pour l'équipe de France. On a là une équipe majeure dans le football mondial. Algérie-France, avant qu'il y ait un Algérie-France, je crois qu'il faudra qu'il y ait un France-Algérie pour rassurer la fédération. Un France-Algérie qui n'aura certainement pas lieu, à mon avis, au Stade de France, qui aura lieu de façon plus aisée au stade Pierre-Mauroy, parce qu'il y a eu le match Algérie-Colombie qui s'est très bien passé l'année dernière, dans une ambiance incroyable, et parce que ça permet aussi à des Algériens de venir de Belgique et d'Angleterre, et donc de limiter un petit peu les effets des Algériens de France, d'une foule algérienne de France, qui est en fait française. La question qui se pose aussi derrière le match Algérie-France ou France-Algérie, c'est quelle est l'équipe de France?
Alors, c'est de façon provocateur, mais je renvoie aux travaux de Stanislas Frankiel. L'un des gros problèmes de l'équipe d'Algérie aujourd'hui, c'est que c'est une équipe de Français, de jeunes qui sont nés en France, qui ont la double nationalité et qui ne connaissent de l'Algérie que leurs quelques semaines de vacances au bled, comme ils disent, quand ils sont enfants, quand ils sont jeunes, ou un imaginaire qui leur permet d'aimer cette Algérie-là. Mais finalement, les Algériens, les joueurs algériens nés en Algérie et évoluant en Algérie ont parfois du mal à se reconnaître dans cette équipe d'Algérie qui est exceptionnelle. Je leur dis, c'est vraiment une très très belle équipe. Donc, enjeu sportif, oui, enjeu diplomatique, bien sûr, aussi. Bon. Alors, j'ai raté une question. Lors de l'évocation du Mondial 98, je fais état de plusieurs phénomènes qui tempèrent l'excitation. Ouais. L'affaire Festina, oui, sur le Tour de France. Est-ce qu'on a protégé l'équipe de France? Comment cela? En la dopant? Elle n'avait peut-être pas besoin de ça. Beaucoup de joueurs évoluaient déjà en Italie. Donc, peut-être que ce n'était pas nécessaire. Et puis, on n'est pas l'Allemagne de 54. Comment j'explique la domination européenne du football de sélection qui se manifeste notamment par les performances des Bleus? Ouais. Des structures fédérales, des équipements de clubs, mais aussi de centres de formation, l'argent indéniablement de ces entreprises qui permettent à de grands joueurs, de joueurs moyens de performer, de s'améliorer. Il y a plein de raisons qui expliquent la domination européenne. Ce n'est pas lié au manque de qualité des joueurs d'autres continents. Je pense en particulier au continent africain. Mais lorsqu'un très bon joueur jeune africain est repéré, c'est vers les clubs européens qu'il se retrouve. Et les clubs européens, ils bénéficient d'un réseau fédéral complexe que tu connais pour le PSG. Ce réseau fédéral, à un moment ou à un autre, il ruisselle sur l'équipe nationale. Voilà. J'aurais une dernière question en guise d'ouverture pour finir cette conférence. Alors, à nouveau, ne partez pas tout de suite, mais d'autant plus qu'il y a le questionnaire à remplir. Tu es professeur d'histoire en milieu secondaire, comme moi. Comment l'histoire du foot, comment l'histoire du sport peut s'enseigner, en fait? Est-ce que tu arrives à l'enseigner à tes jeunes? Est-ce que t'as... Comment tu fais? Ça peut m'arriver de déborder sur le foot au grand désespoir de ceux qui n'aiment pas. Là où c'est surtout une aide, c'est le lundi matin. Lorsque je suis en établissement sensible, hein, lycée sensible, lorsque mes élèves viennent me voir, vous avez vu le but de Ronaldo, vous avez vu tel joueur, ouais, Benzema, il n'est pas pris en équipe de France, Didier Deschamps, il est raciste et tout. Et là, je pourrais expliquer un certain nombre de choses qui permettent aussi de faire de l'histoire, parce que ça leur permet d'avoir une autre dynamique que le seul temps présent et que le seul piège aussi, que le piège de ces télé-zapping, de ces chaînes d'information où on ne voit que le but. Le match, il est résumé aujourd'hui au but. Pour moi, le match le plus important de la Coupe du Monde 2018, c'est France-Danemark. Voilà, c'est un match où il ne se passe quasiment rien. Et c'est ça qui est important finalement dans le football. Et c'est déjà très frustrant de regarder un match à la télévision parce qu'on voit que de façon très limitée les équipes qui sont en train d'évoluer sur le terrain. Mais alors, en plus, quand on ne voit qu'une bribe de match et que cette bribe-là, bon, c'est l'ancien défenseur qui parle, ça me frustre toujours. Le supporter de Lille, des années Antonetti, plutôt. Aussi. Ah, mais Antonetti, c'était pas si mal. Hein. C'était pas. Eh bien, merci en tout cas. Merci à toi, François. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour vos questions. Votre attention, on donne rendez-vous dès jeudi à 17h30 pour une conférence sur les espaces ruraux, donc une conférence type CAPES avec Hélène Chevaux et en lien avec la PAG dont tu fais partie, François. Aussi jeudi, mais nous organisons le lundi 7 décembre à 18h une conférence hommage à notre collègue Samuel Paty sur le thème « Enseigner la laïcité » dont je serai à nouveau le,
le médiateur. Toutes les informations sont sur notre site, donc histoire-d'en-parler.com. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à bientôt devant du foot, on l'espère, en stade. Voilà. Au revoir. Au revoir.